Aujourd'hui, première TikTok réponse à tout faux qui, sur mon TikTok, équation simple du premier degré, m'a demandé est-ce que je comptais faire le second degré. C'était pas prévu, mais puisque tout faux, tu me l'as demandé, eh bien, tu vas l'avoir. Alors voici la petite équation du second degré que je te propose de résoudre, mon cher tout faux. Et tout d'abord, ben, quand on veut résoudre une équation du second degré, il faut d'abord déterminer, c'est le cas de le dire, le déterminant, calculer le déterminant. Et ça, c'est une formule que tu dois connaître par cœur. Le déterminant, eh bien, on dit que c'est delta qui est égal à b carré moins 4 fois a fois c. Ça, tu vois, c'est la première chose. Alors, tu vas me dire, oui, c'est une formule à connaître par cœur, tu n'as pas le choix, c'est une petite partie étude des mathématiques. Mais tu vas me dire, mais à quoi correspond la lettre B, la lettre A, la lettre C? Eh bien, la lettre A, il s'agit du coefficient du terme en x carré. Ici, A va être égal à 2. B, c'est le coefficient du terme en x. Et on prend le signe qui le précède. Ici, b est égal à moins 9. Et le c, b, c'est le terme indépendant. On n'oublie pas son signe. C égale moins 5. Et puis, eh bien, on remplace dans notre petite formule. B carré devient donc moins 9 au carré, moins 4 fois a est égal à 2. Et c est égal à moins 5. Et on effectue. Moins 9 au carré. Moins 9 fois moins 9, ça nous donne 81. Et puis ici, moins 4 fois 2, 8. Fois 5, 40. Oui. Et donc, moins est multiplié par un négatif. On a donc plus 40 mon discriminant est égal à 121. À partir de là, s'offrent trois routes. Si le discriminant est plus grand que 0, on va avoir deux solutions. Si le discriminant est égal à 0, une seule solution. Et si le discriminant est plus petit que 0, on ne va pas avoir de solution. Ensuite, ben ici, nous sommes clairement dans un discriminant qui est plus grand que 0. Donc, nous aurons hop, deux solutions. La première va se trouver avec le petit calcul moins b moins la racine de delta sur 2 fois a. Et la deuxième va se trouver avec la réponse. Va se trouver avec le petit calcul, la petite formule, moins b plus racine de delta sur 2a. C'est la même formule, il y a juste ici le moins et le plus qui sont changés. Et on remplace, comme tout à l'heure, on va rechercher nos valeurs qui se trouvent ici à gauche, à droite. Moins b, donc b est égal à moins 9, moins moins 9, ça fait 9. Moins la racine de delta. Le delta vaut 121. Quel nombre qui multiplié par lui-même dans 121? 11. Sur 2a, a vaut 2, 2 fois 2, 4. On a donc 9 moins 11, ça nous donne moins 2. Sur 4, c'est égal à moins 1,5. Première solution. Deuxième solution, moins b, bon, on l'a calculé ici, hein, moins moins 9, donc ça fait 9 comme ici, plus la racine de delta, mais cette fois-ci, on va voir plus 11, hein, puisque racine de delta, on l'a calculé ici. Quel nombre qui, multiplié par lui-même, va donner 121? Eh bien, c'est 11 sur 2a, donc 2 fois 2, 4. 9 plus 11, 20. 20 divisé par 4, 5. Voici nos deux solutions. La première, moins 2, et la deuxième, moins 5. Alors, on vous dit souvent que s'il y a une seule solution, la formule va être x égale moins b sur 2a. Moi, je dis des fois à mes élèves, si vous n'avez pas envie de connaître
trop de formules, eh bien, retenez uniquement ces deux-là. Pourquoi? Parce que quand tu vas avoir un delta qui va être égal à 0, eh bien, ces deux parties-là vont tomber à l'eau, le moins racine de delta et plus racine de delta. Et donc, au final, oui, tu vas avoir moins b sur 2a deux fois, tu vas bien comprendre que tu vas trouver la même valeur. Elle sera une réponse double, si tu as envie. Et quand le delta est négatif, forcément, il y aura un souci, puisqu'on peut jamais avoir un nombre négatif sous la racine. Et c'est pour ça que la réponse n'existait pas, qu'il n'y a pas de réponse. J'espère, mon cher Tofu, tout faux que j'ai répondu comme il fallait à tes questions. Si tu as envie que je fasse un exercice avec un delta qui est égal à 0 et un delta qui est inférieur à 0, ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si cette première expérience avec Tableau vous a plu, ben, allez-y, surtout, n'hésitez pas à partager.